Salut les loustics, c'est Alexul et bienvenue dans Un passionné de musique découvre, la série vidéo dans laquelle j'essaie de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas. Je rappelle les deux petits règles que je m'impose sur la série vidéo, ne pas poser pendant les morceaux afin vraiment de garder l'intégrité de la track telle que l'artiste l'a voulu, et balayer tous les styles musicaux, ça peut aller du jazz en passant par le hip-hop, le death metal, quel que soit le style musical, je trouve qu'il y a des trucs assez bons, donc faut être objectif et essayer de trouver le meilleur dans chaque style, même si bien sûr j'ai mes préférences particulières. Aujourd'hui on attaque un gros morceau, c'est un groupe auquel j'ai toujours du mal à adhérer, c'est Converge. J'aime bien certains trucs, j'aime moins d'autres choses, et c'est vraiment en fonction des morceaux et en fonction des albums, donc c'est assez bizarre. J'ai un côté un peu je t'aime moi non plus avec ce groupe. Et ils viennent de sortir Blood Moon, morceau de 8 minutes 20, enfin en tout cas clip de 8 minutes 20. Donc on va lancer ça tout de suite sans plus tarder, parce que ça va être assez long. Je ne sais pas vers quoi à quoi m'attendre, puisque ils sont capables de faire des choses très diverses, dans un métal assez chaotique, déstructuré, donc on va voir ce qui nous pond avec ce morceau qui vient de sortir il y a quelques semaines. Allez, c'est parti avec Converge Blood Moon. Ok. Pas ce à quoi je m'attendais. Très sombre. C'est Chelsea Wolf. Yes, c'est elle. Toujours des sonorités étranges et dissonantes. J'aime beaucoup ce qu'elle fait Chelsea Wolf. Ouh. Ouh, la duo basse batterie. C'est validé. Du snake. On a vraiment cette lourdeur qui est insufflée par le duo basse batterie. Yes. Très dissonant. Très rythmiquement déstructuré et rentre dedans quoi. Le morceau est énorme. C'est vraiment brutal de manière pure, tu vois. Ok, on respire. Je trouve ça beaucoup plus accessible que ce qu'ils ont pu faire avant. Side.
Les petits charlets qui donnent la... Qui donnent la petite rythmique, là. Le mix est parfait, par contre. Ça paraît tellement facile. Enfin, ces petits changements de mood, quoi. Gros changement d'ambiance. Avec des percus supplémentaires et limite des cuivres ou des synthés qui sont lourds derrière là. Quelle lourdeur sur, complètement envoûtant. Pesant, oppressant. Les passages qui font vraiment penser à des groupes comme Cult of Luna ou ce groupe de post-hardcore de Doom. Quel morceau! Eh ben... Complètement envoûté. Ben c'était Converge avec Blood Moon. Ah. Attention. Le bruit des feuilles. C'est terminé. C'était Converge avec Blood Moon. Quel morceau incroyable. Ouais, ce morceau-là va faire partie de mes tops de Converge. Ils ont un peu abandonné leur côté madcore qui parfois était un peu compliqué. En fait, j'ai un peu une relation un peu la même avec Dillinger Escape Plan. Il y a des trucs que j'aime beaucoup et des trucs que j'aime moins. Et par moment, en fait, ça dépend aussi du mood. Mais là, le morceau, il m'a mis genre sur le cul. Je sais pas, j'ai eu l'impression d'entendre un peu. Alors, ça va peut-être paraître bizarre, ça me fait penser un peu à Mariner, l'album de Cult of Luna avec Julie Christmas. Parce qu'on a ce côté un peu. Voix masculine qui gueule, voix féminine qui chantonne et puis qui gueule à la fin. Et je sais pas, il y a un petit côté Chelsea Wolfe et Converge, ça fait un peu Julie Christmas et Cult of Luna. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Le morceau, il est construit de main de maître, enfin c'est incroyable. Vraiment, ce côté très calme au début qui te met
à l'aise en fait, pour après complètement te casser avec une rythmique structurée, déstructurée assez spéciale dont ils ont le talent, et pour finir sur un truc qui m'a plus fait penser un peu à des fins de morceaux de Cult of Luna, genre Ghost Trail ou Following Betulas, des trucs lourds, redondants, avec les deux voix qui s'enchaînent, notamment le morceau aussi Cygnus de Mariner qui fait vraiment penser à ça, lourd, avec une mélodie qui traîne derrière, des nappes de clavier, les batteries, enfin carrément la batterie plus derrière des percus qu'on entend beaucoup, qui viennent rajouter une lourdeur à côté oppressant au morceau, et le morceau il est juste passé à la vitesse de la lumière, je l'ai pas vu passer, et il est incroyable du début à la fin, le mix est parfait. Les musiciens jouent comme des dieux et il n'y a rien à acheter, tout est nickel, tout est calculé et c'est il y a un côté je sais pas brut, organique, qui est vraiment viscéral, tu vois, genre tu sens qu'ils ont mis leur trip sur le morceau. Si tout l'album est comme ça ou dans avec cette qualité au moins d'écriture, je suis complètement je suis un Yankee. Mais ouais, je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais à me faire bousculer plus dans ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire des trucs un peu plus madcore, mais ça fait un moment que j'avais pas écouté Converge, donc peut-être que les derniers albums sont un peu dans une autre direction. Mais en tout cas, ce morceau m'a vraiment mis une claque, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le morceau ou pas, et puis en tout cas moi, ouais, c'est complètement validé. Allez, je vous dis à la prochaine les loustiques, ciao, des bisous.